es-tu pour te comparer à OMB, disant qu'il était un homme de chair, qu'il a été né dans le péché, disant Branham était un homme de chair, qu'il a été né dans le péché. Ce vrai, il était né dans le péché. Mais laissez-moi te dire aussi, quand toi tu étais né dans ton village, dis-moi ce qui s'était passé. Quand toi tu étais né dans ton village, dis-moi ce qui s'était passé. Peut-être c'était Akabeya Kamwana. Dis-moi ce qui s'était passé. Peut-être c'était Umabaya. Dis-moi ce qui s'était passé. Parfois c'était la Bakukamanda. Dis-moi ce qui s'était passé. Ou soit la Bakwa Mulumba. Dis-moi ce qui s'était passé. Ou au Sankuru Nanjika Wabinomu. Dis-moi ce qui s'était passé. Siafumu Yanika Bolizi. Dis-moi ce qui s'était passé. Oh oui, c'était un silence total. Comme si rien ne s'est passé. Oh oui, c'était un silence total. Comme si rien ne s'est passé. Mais lors de la naissance de mon prophète, Jéhovah quitta le ciel. Le 6 avril, mes bien-aimés, Elohim quitta le ciel sous la forme de la colonne de feu. Et se posa sur. Oh, sous la forme de la colonne de feu. Et se posa sur. Et même les oiseaux ont chanté, chantant disant béni, béni. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il faut un picapende. Et ça y a baoba kouba. Oh, qui es-tu, toi qui es-tu pour minimiser ma lachika? Toi qui es-tu pour te comparer à OMB, disant qu'il était un homme de chair, qu'il a été né dans le péché. J'accepte qu'il était né dans le péché, mais laissez-moi te dire aussi. Tu étais dans les bars du monde, vivant criant, la vie est belle. Quand tu étais dans les ganda du monde, vivant criant, la vie est belle. Peut-être c'était à Pakajuma, vivant criant, la vie est belle. Parfois là-bas, à Matongé, vivant criant, la vie est belle. Ou soit là-bas, Kuchilamba, vivant criant, la vie est belle. Dis-moi ce qui s'est passé, même pas la mouche. Bouger. Oh oui, c'était un silence total. Comme si rien ne s'est passé. Oh oui, c'était un silence total. Je vois au ciel tranquille. Mais William Branham, mon prophète, un jour devant un verre d'alcool, un grand whoosh. Un grand whoosh est venu lui disant ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps William Branham. Tu es un vase d'honneur. Hey, Marie de Méda, toi tu es un vase d'honneur. Oh, malgré tes hauts et les bas, toi tu es un vase d'honneur. Oh, ça c'est bien sûr paradoxe. 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 Oh oui, comme les yeux. Siméon. Oh oui, paradoxe. Branham mukuna wakabanji banyana uyumunya furukuluka. Enfin, qui es-tu, toi qui es-tu pour minimiser la cabine centrale? Qui es-tu, toi qui es-tu pour minimiser ma lâche 4, disant qu'il était un homme de chair, qu'il a été né dans le péché. J'accepte qu'il était né dans le péché, mais laissez-moi te dire aussi, quand il était parti à l'hôpital, devant
la grande science du monde. On a examiné mon prophète. On a dit Branham, toi tu es différent. Tu as un système différent, constitué d'une manière spéciale. Un homme qui pouvait vivre, mes frères, dans le deux mondes à la fois. Il est ici, il est là-bas. Il vivait dans des mondes différents. Il n'avait pas besoin du sommeil pour faire ses songes et ses visions. Même étant au volant, mes bien-aimés, il causait avec les anges du ciel. Même étant au volant, mes frères et sœurs, il causait avec son créateur. Les enfants de Hatti, le Saint-Esprit, la parole sortie de sa bouche. Petit poisson, je te donne la vie. La parole sortie de sa bouche. Je vous ai vu tous là-bas au ciel. La parole sortie de sa bouche. Billy Paul, je viens de prêcher là-bas. La parole sortie de sa bouche. Paradoxe, paradoxe. Jubilé au temps du soir, comme le vieux Siméon. Oh oui, paradoxe. 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 Oh oui, oh oui. Oh Siméon. Moi j'ai vu le salut de mon âme. Je suis candidat du ciel. L'enfer n'est pas chez moi.